إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، لازلنا في السلسلة والعقيدة على فهم سلف الأمة وعلى منهج أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان والعقيدة. وصلنا في العقيدة الدرس الثالث ربما، فهضرنا في الدروس السابقة على قدرة الاستيعاب، يعني قدرة اللي عندنا باش الإنسان يفكر ويفهم ويحكم إلى غير ذلك. اليوم هيكون الكلام كذلك على العقل، وقلنا بأنه الحواس ديالنا محدودة، الحواس اللي كنفكروا بها وكنشوفوا بها وإلى غير ذلك وكنسمعوا بها وكنحسوا بها هي محدودة، وكذلك اليوم قد يكون كلام حول العقل. Alors, on est toujours dans le dogme, al-aqida, al-iman. On a vu dans le dars passé comme quoi les cinq sens qu'on a, c'est avec ça qu'on acquiert cette connaissance et cette science. C'est avec ça qu'on peut analyser les choses et avoir un avis sur la chose, ou alors analyser les choses, de dire celle-ci est bonne, celle-ci est mauvaise, et ainsi de suite. Mais on avait dit que les cinq sens ici, cette force qu'on a, donc qui vient de l'intérieur, que l'aql et le cœur, hein, la raison et le cœur, cette force-là, elle acquérit cette connaissance et cette force par les cinq sens, c'est-à-dire des fenêtres qui sont à l'extérieur pour ramasser le savoir et la connaissance. Et on avait dit donc que les cinq sens ici, c'est matériel ou c'est moyen pour acquérir cette force, donc de juger et de comparaître les choses, sont minimes, limitées. Alors on va voir aujourd'hui avec la raison, l'aql, et aussi sa limite de penser et d'analyser les choses. Alors, l'aql, qu'on appelle la raison ou le cerveau, lui aussi, il est attaché ou il dépend des cinq sens. On a dit que les cinq sens, c'est-à-dire la vue, le toucher, le goût, etc., c'est des moyens limités. Et ce cerveau, cette raison, reçoit sa capacité, sa force aussi par ces moyens. Alors, lui, ce cerveau, cette raison-là, il dépend de ces cinq sens. Et cette raison, ce cerveau, l'aql, il n'a rien à voir avec la métaphysique. Alors, c'est ici qu'il va voir une séparation, donc, qu'on va rentrer pour comprendre aussi c'est quoi la philosophie, un philosophe, comment il pense, comment il analyse les choses, etc., etc. Alors, est-ce que le cerveau ou la raison, avec les cinq sens qu'on a, le cœur et le cerveau, a un rapport avec la métaphysique? Non. Aucun rapport. La métaphysique, je ne sais pas, peut-être vous avez déjà étudié ça dans l'école et tout ça, la métaphysique vient du mot grec, mita. Mita, c'est-à-dire ce qui vient par après, derrière la nature. Et physique, c'est la nature. C'est-à-dire que ici, la métaphysique cherche à comprendre des choses qui sont en dehors de la nature. Ou alors, qu'est-ce qu'il y a après cette nature? Qu'est-ce qu'il y a après le ciel? Qu'est-ce qu'il y a après l'univers? Et ainsi de suite, ce qu'on appelle métaphysique. Est-ce que le cerveau a un rapport avec ça? Absolument rien. Les cinq sens, c'est goûter, voir, entendre, toucher, sentir, et ainsi de suite. Ça, c'est les moyens. Et on a cette façon, donc, de, comme on avait dit dans le DAS, je crois qu'on avait passé le DAS, imaginer. Mais imaginer une chose, ou l'imagination, est-ce que c'est concret? Non, ce n'est pas concret.
Et même si on va imaginer, comme on a vu dans le danse passé, on a imaginé un animal qui n'existait pas. On a essayé de fabriquer avec notre imagination, de donner libre choix à la pensée de voir et d'analyser, de faire. Et on a inventé un monstre, un animal, je ne sais pas, il a des pieds en bois, il a des yeux avec des trous, 5 yeux, avec des trous, avec de lait dedans, je ne sais pas, une langue en miel, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On a inventé un animal. Mais quand on prend toutes ces choses avec quoi on a fabriqué cet animal-là, et on le remet à leur place, on trouve que le miel, c'est déjà été goûté pour dire ça c'est le miel, qu'on appelle le miel, ça c'est le bois, ça c'est... C'est-à-dire que toutes les affaires avec quoi on a fabriqué ce monstre-là, ça existe déjà. C'est qu'on a, on l'a reçu avec les yeux, avec le toucher, avec les 5 sens, qu'on a ramassé cette connaissance avec le matériel avec quoi on a fabriqué ce... Même quand on dit imaginer, tu ne peux pas imaginer quelque chose, d'inventer quelque chose que tu ne l'as pas dans la tête. Essaye, tu n'y arriveras jamais. Tu fabriqueras simplement ce qui est déjà inscrit dans le répertoire à l'intérieur. Tant qu'il n'y a rien de le répertoire, tu ne vas rien comprendre. Même pas un mot. Maintenant, si je vous dis, par exemple, Winim, vous avez compris? Moi non plus. Ça n'a jamais été inscrit. Maintenant, si on décide de me dire, ça veut dire le micro, on comprendra la prochaine fois. Je vous dis, ah, mais c'est le micro, maintenant c'est inscrit. Mais j'invente un mot comme ça, il n'y a rien qui comprend. Alors, le cerveau, la raison d'analyser les choses, ça travaille avec quoi? Avec quelque chose qu'on a acquis avec les 5 sens. Mais alors, quand on dit la métaphysique, mawara at-tabi'a, mawara derrière le physique, derrière la nature, on cherche, d'accord. Mais quand on va voir une pensée ou une idée, est-ce que cette pensée, cette idée, ça peut être exact à 100%? Non. Et en plus, cette pensée, ça doit correspondre à ce qu'on a aussi dans la vie. Alors, la métaphysique, comme on a dit, l'étude de la nature. Étudier la nature, son original, etc. et tout ça, il va où la nature, il va où l'univers, il commence où l'univers, qu'est-ce qu'il y a après l'univers, ça c'est la métaphysique. وهي أحد فروع الفلسفة التي تهتم بالدراسة. C'est une partie de la philosophie que les philosophes cherchent. C'est avec ça qu'ils pensent. C'est avec ça qu'ils analysent les choses. Ce qu'on peut aussi appeler l'anthropologie. Mais quand on regarde l'anthropologie, c'est quoi? L'anthropologie, c'est quelque chose, bien comprendre, pour comprendre cette philosophie de l'anthropologie, que les gens, quand ils sont... venu, vous étiez sur le globe ou dans l'univers et croyez en Dieu. Premièrement, ces gens, les premiers gens, et croyez en Dieu. Et quand le temps passait, ils ont oublié ce Dieu-là. Ils ont oublié, sont éloignés de Dieu. Ils ont commencé dans la deuxième. Quand ils ont oublié Dieu, on a vu que les gens, ils avaient un rapport un peu, ils se disent qu'il doit avoir quelque chose, une force. Quand ils ont perdu la notion avec Dieu réel, ils sont éloignés. Mais leur original, etc., après, qu'est-ce qui va venir par après, ils avaient cette notion qu'il y a une puissance surnaturelle, mais ils ont perdu le fil avec le Créateur. C'est pour ça qu'on les trouve que quand ils voyaient le volcan, ils disent c'est la colère de Dieu. Ou ils voient le soleil, c'est le soleil, le Dieu, et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'ils ont placé plusieurs dieux dans la nature. Chaque fois il y a une force, il y a une tempête, ou il y a une pluie forte, ou il y a une grande rivière, un volcan, etc. Ils analysent qu'en quoi c'est des forces surnaturelles, c'est des dieux, c'est pour ça qu'ils peuvent avoir plusieurs dieux. Dieu de la terre, dieu de etc. C'est pour ça quand ils avaient le volcan, ils disent dieu de la terre, et il s'est mis en colère.
Et alors, ils se mettent, ces gens-là, qu'ils ont dans leur notion, devant l'analyse, qu'il y a une superpuissance, soit ils commencent à danser autour de volcans, ils arrivent même à un stade, donc pour lui faire plaisir au volcan, pour qu'il ne fasse pas de mal, etc. et tout ça, ou parfois même lui donner un don, c'est-à-dire de jeter une personne, de gorger une personne, de le jeter dans le volcan, pour que le volcan il se calme, c'est le dieu, et ainsi de suite. C'est ça, dans la quatrième catégorie, c'est ça les gens qu'on appelle l'anthropologie, la philosophie, ils cherchent dans ces gens-là. Après, c'est ici que les charlatans et les sorciers vont avoir un pouvoir à ce moment-là. Dans ce temps-là, dans le temps que les gens qu'ils ont perdu notion avec Dieu et qu'ils ont commencé à placer plusieurs dieux dans la nature, c'est-à-dire le soleil, la lune, etc., même un animal, et ainsi de suite, là, il apparaît quelque chose de puissant qu'on appelle les charlatans et les sorciers. Les sorciers, ils ont saisi l'occasion d'être maîtres de l'univers. Pourquoi? Parce qu'ils comprenaient un petit peu quelque chose dans la nature. Ils comprenaient quelque chose dans la nature, soit dans l'éclipse, soit dans les volcans, etc. Et eux-mêmes, ils sont pris comme quoi qu'ils peuvent dialoguer avec le superpuissant Dieu pour calmer les choses. Et alors, les gens commencent à se diriger vers ces charlatans et vers ces sorciers pour calmer les choses, pour dialoguer avec Dieu. D'ailleurs, si on regarde dans le temps de Pharaon, les curés, ou je ne sais pas comment on peut les appeler donc à ce moment-là, les charlatans, les sorciers à ce moment-là, c'est les sorciers, c'est ceux-là qui étaient autour de Pharaon. Quand il y avait un éclipse, ils avaient une connaissance sur question de l'éclipse, Al-Khusuf, Al-Khusuf. Ils avaient une connaissance, ils avaient une matière donc de connaissance sur ça. Et alors, quand les gens, dans ce temps-là, ils voient cette éclipse, ils avaient le soleil, tout d'un coup, il fait noir, ils appellent ça que la colère de Dieu, il est là. Et Dieu, à ce moment-là, c'était Pharaon. Et les curés, ou les gens de religion de Pharaon, savent qu'ils peuvent dialoguer avec ce Dieu, ils peuvent faire un calcul que l'éclipse va durer, par exemple, une demi-heure, un quart d'heure, etc. Ils disent, quand ils savent que ça va durer longtemps, ils disent que la colère de Pharaon, il est immense parce que vous ne donnez pas assez de blé, etc., etc. Et alors, quand ils savent que, par exemple, c'est minime, c'est un éclipse, à moitié éclipse, que ça dure, par exemple, 5 minutes, ils disent, attention, que le Dieu commence à se mettre en colère parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc, quand ils ont un temps, ils disent, bon, nous autres, on va demander, on va rentrer dans notre lieu donc sacré pour commencer à adorer Allah, pour demander à Allah, à votre place, que la colère donc, de Pharaon, Dieu, va se calmer. Et tout d'un coup, cette éclipse, ça enlève, et alors, voilà, ceux-là, ils ont un rapport avec Dieu. Alors, voilà le début, comment il est venu pour parler maintenant donc, de cette science donc, de la métaphysique et l'anthropologie, que les gens ils sont éloignés de Dieu. Mais ils ont resté une notion qui a une superpuissance. Ils ont commencé à respecter, à adorer la nature, de dire la colère, etc., etc. Les sorciers, ils ont pris le dessus sur ce moyen-là pour gagner, c'est-à-dire d'avoir un pouvoir. Mais à ce moment-là, il y aura encore une fois l'intervention donc des messagers, c'est-à-dire des religions. Les religions vont limiter un peu le dégât concernant les sorciers, les charlatans et tout ça, parce que la religion qui va venir à ce moment-là, les livres de Moïse, et ça, etc., vont commencer à donner une réponse que c'est faux, etc., etc., etc. Alors, à ce moment-là, ce pouvoir donc, de la sorcellerie, donc des charlatans, a diminué. Après, il y a la science, la connaissance, le savoir. Et ce savoir qui va venir, il va donner beaucoup d'explications à cette nature. Ils vont comprendre que le volcan, ce n'est pas une colère de Dieu. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est les scientifiques. Comme quoi, que la Terre, elle était chaude. Ah, c'était une boule qui est chaude. Quand elle s'est séparée, c'est-à-dire donc de soleil et tout ça, c'est resté chaud. Il commence à refroidir, mais la Terre n'est pas aussi froide que ça.
à l'intérieur, il y a toujours le magma, il y a toujours cette chaleur. Et cette chaleur, tous ces gaz bougent à l'intérieur. D'ailleurs, on vit sur un volcan, on vit sur une bombe. Quand on voit le globe, il est bien à l'extérieur, il est bleu, les arbres, etc. Mais à l'intérieur, c'est carrément une bombe. Quand il va éclater, il n'y a plus rien. Alors, comment ça refroidir? Ces volcans qui sont à l'intérieur, cette chaleur, ce nucléaire qui est au milieu du globe qu'on vit, parfois, avec des secousses et des puissances de gaz, il trouve une faille dans la Terre, et bien il sort, et voilà le volcan, et ça fait le volcan, ça fait la montagne. Ça, c'est la science. Mais la science a donné beaucoup de réponses à certains effets de la nature, comme quoi l'éclipse, le soleil, comment, etc., les nuages et tout ça. Mais cette science n'a pas donné la réponse à tout ce qu'il voit. Parce que ici, c'est quelque chose de physique qu'il touche et qu'il calcule et qu'il voit et qu'il comprend et qu'il donne, d'après ce qu'il a comme raison, il donne des réponses à certains effets de la nature. Mais est-ce que cette science, ou ce cerveau, cette raison, qu'on appelle l'aql, on est en train de parler de l'aql, est-ce qu'il trouve réponse à tout? Non. On est arrivé maintenant à dire, d'abord, c'était des gens qui croient en Dieu, s'éloigner, commencent à faire donc de l'association, donc d'adorer des montagnes, etc. Les charlatans prennent le pouvoir, la religion remet les choses à leur place, la science vient confirmer ce que la religion dit, comme quoi il n'y a pas donc de la colère de Dieu, de la montagne et tout ça. Mais est-ce que cette science, parce que les savants ici maintenant, quand on voit la majorité des médecins, etc., sur la qu'ils ont étudié, qu'on peut les appeler, mais on ne va pas parler maintenant de ça, parce que nous autres, on a dit qu'on parlera à partir de maintenant simplement avec raison. On ne ramène pas des hadiths, etc., sauf c'est quelque chose inversé au hadith, qui a un rapport indirectement avec le sujet. C'est-à-dire, on ne va pas le mettre comme argument. On ne va pas ramener comme religion, ni hadith comme argument. Si on dit un hadith, c'est parce qu'il y a le dalil par la science. Alors, ici, cette science qu'on peut appeler les athées, qui ne croient à rien, ils disent que nous autres, on donne réponse scientifique, ce n'est pas une réponse de religion, que le prophète a dit, etc. Non, ils doivent répondre. Est-ce que cette science a donné réponse à tout ce qu'ils voient dans la nature? Non, absolument non. À ce moment-là, on dit alors, la raison, le cerveau, il est limité. Il est limité. On ne va pas parler de l'âme, etc., c'est encore plus fort. Nous, on va parler donc de moi. Comme ils disent les savants, par exemple, si on trouve le zahirat ishti'al zati ou le télépathie. Si on trouve l'ishti'al zati, je ne sais pas comment on l'appelle ici, je le prends simplement, spontanos human combustion. Tu as des personnes qui dorment, ça s'est passé dans toutes dans tout le monde, ça s'est passé en Amérique, ça s'est passé en Afrique, en tout le monde. Si vous le faites sur l'internet, vous allez voir beaucoup. Donc, c'est la personne humaine qui dort et tout d'un coup, il y a le feu. Et c'est lui-même de l'intérieur, ce feu-là, qu'il va brûler, ce vient de la personne. Lui-même, c'est une bombe. Mais on n'a jamais donné explication à ça. Au départ, on croyait qu'il y avait quelque chose, une flamme, un gaz ou quelque chose comme ça qui allume. Mais à fur et à mesure que les choses ça se passent dans les autres villes et que les scientifiques arrivent pour voir la chose, qu'ils trouvent l'origine, comme maintenant par exemple les pompiers, quand ils arrivent à une flamme, ils te disent juste où il a commencé la flamme. C'est-à-dire la flamme, le bâtiment a brûlé complètement, mais il va te dire que la flamme a commencé de ce fil-là. Ou ça a commencé de cet appareil, c'est de là qu'il est parti le feu. À ce moment-là, quand ils ont fait les analyses, ils trouvaient non, que le feu vient de l'intérieur de la personne. Et on appelle à ce moment-là on appelle humain torche. Carrément lui-même, c'est une torche de feu. Et parfois, cette personne, soit il est brûlé complètement, soit c'est la moitié qu'il est brûlé. Mais il n'y a pas de feu autour, ni rien. C'est-à-dire qu'il est dans l'air, il est brûlé simplement là où il se trouve lui. Et qu'après, c'est lui-même qui a brûlé son lit. Est-ce que la science, avec toutes les analyses qu'ils ont faites, avec tout ce qu'ils ont comme technologie, ou la raison, a donné une réponse à ça? Non.
On le sait, oui. On sait que nous autres, on a une énergie dans notre corps. On sait que nous autres, on est des conducteurs, donc de l'électricité aussi. Si tu touches par exemple un fil de l'électricité, l'électricité passe en toi. Pourquoi? Parce que tu es conducteur, comme le fer, comme le cuivre, etc. Tu es un meilleur conducteur. Parce qu'on a dans nous-mêmes donc des matières de la terre, du fer et tout ça. Et on sait qu'on a une certaine chaleur qu'on consomme, la chaleur de l'œil, qu'on appelle mauvais œil, hein, qu'on peut même faire tomber une personne, même l'assommer complètement. Cette chaleur, ça se trouve donc en nous-mêmes. On la voit pas exactement, on la voit pas, mais on l'a. Maintenant, s'il y avait une caméra ici spéciale, ben, il verra, il vous montrera qu'il y a autour de moi ici tout à fait une chaleur, tout à fait une lumière autour de moi. Même si je me lève d'ici, je pars et je sors, la caméra vous donnera toujours mon image à la télévision. Je ne suis plus sur la chaise, je suis dehors, mais la caméra qui est spéciale pour cette chaleur-là vous donnera toujours l'image de moi, il est là. À un certain temps, cette chaleur que j'avais laissée ici commençait à diminuer. À ce moment-là, on trouve que la science n'a pas donné de réponse à cet humain torche. La même chose, la télépathie. La télépathie, on ne trouve pas. Qu'on appelle en arabe, c'est-à-dire At-tahatur an bu'd. Dialoguer à des distances de milliers de kilomètres sans avoir fait, qu'on appelle maintenant téléphone sans fil. Il y a certaines personnes, certains humains, pas tous, qui peuvent dialoguer, ne pas avoir un fil entre eux, etc. Est-ce qu'ils ont trouvé une explication pour ça aussi? Absolument rien. Ils savent qu'il y a quelque chose, il y a une télépathie, on a appelé, on lui a donné un nom, etc. Télépathie, discussion entre le cerveau avec un autre cerveau à des distances, à des milliers de kilomètres, mais il n'y a pas de fil, il n'y a rien. Comment ça fonctionne? On ne sait pas. Et là, il y a eu encore, comme ils disent, en 1966, en Russie, il y avait Nikolaev. Les savants, ils ont fait un test pour ce genre de télépathie avec des savants du monde entier, des savants russes, etc. Et alors, il y avait deux personnes, ils ont placé une personne qui s'appelle Nikolaev, donc à Moscou, et ils ont placé une autre personne qui s'appelle Katashski, qui est à Nilgrad. Et alors, il est dans une pièce en plomb. Carrément. C'est-à-dire, Nikolaev, il est dans une pièce en plomb renfermée. Et un savant, les savants qui étaient autour là, on lui a fait tous les appareils pour, c'est-à-dire, voir comment il va réagir son cerveau, qu'est-ce que c'est, quelque chose qui va réagir avec tous les appareils, les tests, les fils, etc. Et un savant qui, parmi les savants ici, il va écrire directement à ce moment-là quelque chose, des écritures, mais qui n'ont aucun sens. Des dessins qui n'ont aucun sens, il le donne à cette personne-là, Nikolaev, qui est à l'intérieur de la pièce, il dépose la feuille devant lui. Il essaye de comprendre ce qui est écrit, ce que le savant lui a donné. Mais ce n'est pas lisible, ce n'est pas, on ne sait pas le lire, il n'y a rien, ce n'est pas un mot, quelque chose, il a chapoté simplement, c'est-à-dire, il n'y a rien, tu ne vas rien lire. Et le dessin, ça ne nous donne aucune image spécifique ou quelque chose pour dire qu'il y a quelque chose dans l'image. Et à ce moment-là, lui, comme il se concentre sur cette feuille où il y a cette écriture et ce dessin, dans l'autre côté à Leningrad, l'autre russe Katashinsky, celui-là, il a aussi une feuille devant lui, mais la feuille, elle est blanche. Et tout d'un coup, il commence à faire écrire sur cette feuille, il la passe à leurs savants qui sont à l'extérieur. Et les savants, ils ont vu qu'il a le même dessin que l'autre, il regardait de l'autre côté. Et les mêmes écritures, il leur dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a voulu me dire, j'ai rien compris ce qu'il a voulu me dire, l'autre, avec son cerveau, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait me dire. Et là, les savants de deux côtés, ils étaient stamaqués, ils n'arrivaient pas à comprendre. Simplement, ils ont confirmé ce qu'ils ont entendu sur des milliers de gens qui peuvent dialoguer à des distances. D'ailleurs, on a l'histoire, donc on a l'histoire de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Abdullah Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il avait envoyé une saria, c'est-à-dire des soldats pour une bataille. Et d'ailleurs, s'appelle le commandant s'appelle saria. Et alors Omar ibn Khattab en plein minbar, il voit devant lui comme quoi saria il aura des problèmes.
Et il dit en plein minbar, et les gens de Jumu'ah plein regardent, et Omar dit Al-Jabal Yasariya, Al-Jabal Yasariya, Al-Jabal Yasariya. Il dit à Sariya, approche-toi à la montagne. Effectivement, Sariya de l'autre côté, c'était un mois de marche, il entend la voix de Omar ibn al-Khattab, il lui dit, approche-toi de la montagne. Effectivement, la bataille était gagnée, sahadith sahih. La bataille était gagnée par cette protection de la montagne. Quand on s'est revenu, ils ont dit, on entendait ta... Sariya lui dit, je t'entends, toi-même. Ta voix exactement, on lui dit, j'ai déjà regardé où tu es là, à côté de lui. Et Omar ibn Khattab, il dit, oui, j'ai dit ça comme ça. Mais il faut bien, et Omar ibn Khattab, comme lui, qui est un musulman, il dit, il ne faut pas oublier qu'Allah Azza wa Jal, il a des soldats. Ça peut être des anges, ça peut être des qu'ils ont transmettre le mon message jusque chez toi. Comment s'est passé entre ces deux personnes? Allahu A'lam. On n'a pas de réponse exacte. Ça peut être des anges et tout ça. Alors ici on dit à ce moment-là que la science a donné réponse à certaines choses, il donne des réponses à certaines choses, il va donner des réponses à certaines choses, mais ce cerveau, il est limité. Ce cerveau ne peut pas donner réponse à tout. D'ailleurs, tout savant, il te le dira. Les savants de l'univers, si tu lui parles sur l'univers, ils te disent, je n'arriverai pas à te donner même un dixième, un cinquième de ce qu'il y a dans l'univers. Je vais te le faire comprendre, moi-même je le comprends, il n'y arriverai pas. Et celui, le spécialiste des mers, le spécialiste de la médecine, la spécialiste de cerveau, la spécialiste de cœur, le spécialiste des yeux, le spécialiste des oreilles, ils ne vont pas te donner ce genre donc, de réponses à toutes ces questions. Ici, il y a une histoire. La servante de Thalès, le grand philosophe grec. Ici, Thalès, et cette histoire l'a racontée à Platon quand il était en discussion avec une autre personne. Il parlait de cette histoire, donc de la servante de Thalès. Et à Platon, il dit, la servante de Thalès. Thalès, il est en train, c'était un philosophe qui est en train de donner, qu'il recherchait. Et la philosophie, on a dit, en général, ça a un rapport avec la métaphysique, après ou après la nature. Et lui, il est en train de regarder, de comprendre ce qu'il y a après les étoiles, etc. Il regardait dans le ciel. Il analyse le ciel. Il va philosopher. Et tout d'un coup, il tombe dans un puits. Qui était devant lui, mais n'a pas fait attention, puisqu'il était accroché à ses yeux avec le ciel. Et alors la servante, qu'on appelle l'histoire de la servante avec Thalès, la servante a commencé à rire. Elle dit, je ne te comprends pas, Thalès. Tu essaies de comprendre, de voir qu'est-ce qu'il y a après le ciel, devant le ciel, et tu n'as même pas regardé le truc qui est devant toi. Tu n'as même pas regardé. Et s'il fait un commentaire... À Platon, il fait un commentaire sur ce point donc, de la servante de Thalès. Il dit كان يسعى إلى معرفة الأشياء السماوية في حين تظل الأشياء التي توجد بالقرب من عينيه بعيدة عن معرفته. ويعلق أفلاطون. Platon fait un commentaire sur cette histoire qui passait avec Thalès en regardant de essayer de comprendre ce qu'il y a après les étoiles et le ciel, la première ciel, etc. Et qu'on n'arrive même pas à analyser les choses qui sont devant nous. Maintenant, d'ailleurs, on va faire une histoire, rien que les frères ici, nos autres. Peut-être, dans nos cerveaux, il va dire, mais c'est quoi le ciel? Il est comment le ciel? Il essaie de comprendre quelque chose qu'il y a. Mais si tu lui donnes le GSM, là, maintenant, tu lui dis comment il fonctionne, que la voie rentre dedans, il sort, il voit le satellite, il voit le Maroc, il ne va rien te répondre. La seule chose, il va te dire, un, il va te dire c'est de la magie, l'autre, il va te dire c'est des vibrations. Mais des vibrations, comment? Allah. Et après, il cherche d'après, il te pose les questions sur d'autres. Ici, Aflatoun fait ça. « ويعلق Aflatoun على كل ذلك قائلا أن هذه السخرية قد تصدق على كل من يتعاطى للفلسفة أي كل من يتفلسف. » Ici, Aflatoun, c'est un grand savant aussi. Il dit, faites attention à cette histoire de Thalès.
On peut le faire sur toute personne qui se donne à la philosophie. C'est-à-dire Thalès ici et Platon, il te dit, il n'y a pas que Thalès. Cette énigme, enfin cette histoire, cette parabole d'une personne qui regarde avoir quelque chose qu'il n'a jamais vu, ils sont en dessous de lui, et que lui, autour de lui, n'a pas encore compris. Et c'est pour ça qu'il dit à Platon, « Hadis Sokhriya », cette mascarade, cette histoire, « Qad tasduq ala kulli man yata'ata li falsafa ». C'est pour ça que les gens, quand ils croient, quand on leur dit, « Oh, ne philosophe pas », d'ailleurs, nous autres, on croit, oui, mais toi, c'est pour ça que tu dis, on étudie la philosophie à l'école. C'est quoi cette philosophie? Absolument nulle. Nulle et nulle. Absolument rien. La philosophie, c'est de dire, de raconter des histoires. D'ailleurs, si tu regardes les grands savants dans l'islam, c'est-à-dire Ahmed al-Ghazali, al-Razi, tous ces gens-là qui ont parti dans la philosophie loin, mais sont faits marche arrière. Ils ont voulu rentrer dans, c'est-à-dire de raisonner avec la philosophie. Mais après, il dit, on a fait marche arrière, toute personne qui veut se casser les dents, qu'elle rentre là-dedans. Il lui arriverait que ce qui est arrivé à Thalès. Il regarde le ciel pour comprendre, et il a un trou devant lui, il n'a même pas fait. C'est pour ça qu'on dit que cette philosophie, c'est des histoires. D'ailleurs, on a une histoire avec ça, avec une personne. Ça peut être Riyal ou quelque chose comme ça qui correspond, mais c'est une blague. Il y a un Marocain qui est parti pour étudier. On voit qu'au Maroc, on étudiait beaucoup la philosophie. Maintenant, fini. On l'a enlevé carrément. C'est rare, tu vois. Alors, il est parti à Fès étudier. C'était un riff, l'Amskin. Il est parti pour étudier la philosophie à Fès pendant des années. Quand il est revenu au Maroc, avec son père dans son village, et son père, il dit, mon fils, alors, t'as pris quelque chose, mais, parce qu'il a donné beaucoup d'argent, là, pour voir. Ah, il dit, mon père, la philosophie, c'est quelque chose, donc. Et alors, ils avaient, la maman, il avait déposé quelque chose à manger, un poulet, là. Il dit, tu vois ce poulet-là? Avec la philosophie, je vais faire deux poulets. Un poulet. Et ouais, mon père. Il dit, bon, écoute, mon fils. Moi, je vais manger celui-là, toi, tu manges le deuxième. Rien à manger, c'est la philosophie. Absolument rien. Alors, on voit bien ici, Thalès, il te dit que cette histoire peut arriver à n'importe qui, qu'elle se donne ce genre de philosophie, de dire, moi je suis un philosophe, je comprends les choses avec la raison, mon cerveau, etc. etc. C'est des histoires. D'ailleurs, ici, on peut citer quelque chose dans le Coran, ça n'a rien à voir, on ne l'a pas ramené comme argument. On a ramené simplement. Si on regarde la parole donc de cette servante qu'il dit, tu regardes le ciel, tu essayes de comprendre ce qu'il y a dans le ciel, en dehors du ciel, tu n'as même pas regardé d'abord ce qu'il y a devant toi. Et à Platon, il dit ça, ça peut arriver à n'importe quelle personne qui veut philosopher. Maintenant, si on regarde dans Sourate Amma, qu'Allah Azza wa Jal dit Amma yatasa'aluna 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun, kalla say'lamuna thumma kalla say'lamun. Ici, quand on regarde dans Sourate Amma, Amma yatasa'aluna, Allah Azza wa Jal dit sur quoi ils sont en discussion ces gens-là? Amma yatasa'aluna 'anil naba'il 'azim, ils sont en divergence, en discussion sur la fin du monde, sur la résurrection après. Amma yatasa'alun, sur quoi ils sont en divergence? Anil naba'il 'azim, ce qu'il va arriver? Alladhi hum fihi mukhtalifun, et ils sont en divergence, chacun ce qu'il dit. On va se ressusciter, on ne va pas ressusciter, on se dit les os, etc. Une discussion. D'ailleurs, cette discussion existe encore maintenant. Entre deux personnes, on va ressusciter, non, les os se sont brûlés, etc. Allah Azza wa Jal, kalla say'alamun. Ils vont savoir. Et regardez Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'il va leur expliquer ce qu'il y a? Comment ça va être par après? Non. Allah Azza wa Jal le remet automatiquement là. Regardez devant vous.
Si vous voulez savoir cette connaissance et cette puissance, ce qu'il y a là, regarde autour de toi. Et tout d'un coup, Allah Azza wa Jalik, Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna al-nahara ma'asha wa banayna faqakum sab'an shidada. Regardez ce qu'il y a autour de toi de la puissance. Essaye de comprendre cette puissance. Parce que si tu comprends cette puissance qui est autour de toi, que toi tu le touches, tu le vois, tu le ressens, tu comprendras facilement que cette puissance qui va venir après, c'est la même chose que celle-ci maintenant. Cette puissance qui est autour de toi, tu essayes de le comprendre. Une fois que tu as compris cette puissance et que cette puissance qui est autour de toi, cet univers, toi-même, etc., que ça ne peut pas être de quelque chose de fait de soi-même, ce qu'on va parler après pour voir, s'il y a une puissance derrière cette chose-là. Une fois que tu comprends qu'il y a une puissance derrière cette chose-là qui est, on n'arrive pas à le contenir avec nos cerveaux, cet univers, cette personne, ces yeux qui voient, cette langue qui parle, etc., etc. Cette âme-là, on n'arrive même pas à comprendre, regarde autour de toi. Une personne qui est là, vivant, on appelle, il est vivant, il regarde, il voit, il est mort. Qui a changé? Qu'est-ce qui a changé dans son corps? Rien. Le médecin, il a une personne physique devant lui, il est en train de travailler, les yeux sont là, la tête, elle est là, le sang, elle est là, le cœur, elle est là. Tout d'un coup, tu dis, il est mort. Et tout l'appareil, il a fait... Il ne bouge plus. Médecin, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Oui, son âme, elle est partie. Oui. Comment? Il était où, cette âme-là? Qu'est-ce qui manque à cette personne? Il a tout. Bah, je ne sais pas, on appelle là. Ah, personne ne l'a vu, personne ne sait comment elle est. À ce moment-là, Allah Azza wa Jal dit, ici, regarde autour de toi, regarde comment Allah Azza wa Jal, à la place de leur parler de ce au-delà, après, de la métaphysique, il leur parle de quelque chose, rien, tant que ce que tu touches là. Après ça, appelle-moi Allah Azza wa Jal va leur donner quelques explications ce qui va se passer. Inna yawm al-fasl kana miqata yawma yunfakhu fi sur ila ghayri. Alors on voit bien qu'il c'est Thalès. Et la servante qu'il dit, regarde, il cherche ce qui est derrière le ciel et qui n'arrive pas à comprendre, voir les choses qui sont devant. Et Aflatone dit, effectivement, toute personne dedans à cette philosophie-là, il tomberait dans ce trou. Et ces gens-là qui ont Allah Azza wa Jal accepté dans le Coran, qui se posent des questions sur l'au-delà, et qu'eux, ils n'ont même pas analysé et comprendre ce qui est là, qui sont autour d'eux, eux qui y voient et qui vivent. Alors ici, on comprend à ce moment-là que le cerveau, que notre cerveau, ou notre raison, « Muqayyad bi'alam al-has la amal lahu fi hukm » On est d'accord à ce moment-là que notre cerveau, il est limité d'après ce que lui a donné, ce qu'il a emmagasiné, ce qui a été rapporté, les cinq fenêtres qu'on appelle les cinq sens, il ne peut pas aller plus loin que ça. Est-ce que le cerveau peut aller plus loin que ça, de ce qu'il a reçu par les cinq sens? Absolument rien. Même s'il lui donne libre pensée, les qu'on a dit qu'il invente ce qu'il veut, il ne peut pas inventer quoi que ce soit, simplement de bricoler ce qu'il a déjà emmagasiné par les cinq sens. S'il n'a jamais vu, n'a jamais entendu, n'a jamais senti, n'a jamais fait l'odorat, n'a jamais goûté, il ne peut absolument rien nous donner. Alors on comprend que le cerveau n'a rien à voir avec la métaphysique. ذلك لأن القوة العاقلة فينا لا تجمع بين المصور والذاكرة والمخيلة والذكاء تقوم بعملها الجبار في التحليل والتركيب والجمع والتفريق. Alors la force de notre cerveau, de leur raison, qu'il ressent, qu'il ramasse toutes ces choses, ce qu'il a photographié, filmé avec ses yeux, ce qu'il a emmagasiné dans le dhakira, dans la mémoire,
ce qu'il peut imaginer. Il a raison, le dhaka, l'intelligence qu'il a. Taqum bi'amalihi al-jabbar. Ce cerveau fait ce grand travail. Ses analyses, le tahlil, le tarkib, le jam' ou le tafriq. Il peut analyser les choses, il peut rassembler les choses, il peut séparer les choses. Wa istintaj al-qawa'id al-'amma wal-kulliyat wa qiyas al-ashbah wan-nadha'ir 'ala ba'dihha. وهذه القوة العاقلة فينا لا تستطيع أبدا أن تصدر أحكامها على مغيبات لم يعرض أمامها شريط مسجل عنها. Alors, le cerveau travaille avec un film qu'il a reçu. Si tu lui donnes pas de film, il ne sait pas parler. Tu peux parler d'un film que tu n'as pas vu? D'ailleurs, si jamais tu vas inventer un film, c'est un film que tu vas bricoler avec les autres films que tu as déjà fait. Essaye, tu n'y arriverais pas. Vous avez vu cela qu'ils ont inventé le robot? L'homme-machine. Vous avez vu? Leur cerveau, il est limité. Le robot, ils ont fait les deux pieds comme l'homme. Ils lui ont fait deux mains. Ils lui ont fait les caméras, les deux yeux. Caméra, la même chose. Le cerveau, il dépassait même pas pour passer. L'humain. Ils n'ont pas inventé un robot en dehors de l'image de l'homme. D'ailleurs, même les genoux, les articules, les doigts, ils sont placés à leur place. Ils n'ont pas fait même cinq. Et on a combien de phalanges? Une, deux, trois, ils font trois. Tu ne fais même pas deux. Tu fais trois. Et tu ne fais même pas quatre. D'ailleurs, il ne te fait pas trois caméras, il te fait deux yeux. Il peut faire trois, non? Il peut faire trois caméras dans le robot. Et malgré ça, on voit la majorité des robots, ils ont deux yeux. Pourquoi? Parce que l'imagination, l'image qui est à l'intérieur, c'est sa limite-là. On ne peut pas aller plus loin. C'est pour ça ici, si tu n'as pas d'image, tu n'as pas de film, tu n'as pas reçu un film par les cinq sens, ton cerveau, il est limité à ces images, ce qu'il a déjà inscrit pour avant. وقد يختلف عالم الغيب على عالم الحس كل الاختلاف فلا يمكن الحكم عليها بالتشابه والقاعدة الثابتة عند العلماء إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. Alors on peut dire à ce moment-là, ce qui est après la nature, ce qui est après le physique qu'on voit et tout, peut être de tout à fait différent de ce qu'on imagine. Peut être différent de tout ce qu'on imagine. D'ailleurs, je ne sais pas si vous pouvez remarquer ça, vous l'avez vu déjà ça, sur le Paltalk, l'internet, sur les mécènes, etc. Tu as une personne qui t'a eu le contact avec lui, à travers le Paltalk, à travers l'internet, à travers les mécènes, et tu parles avec, tu dialogues avec. Et quand tu dialogues avec, tu entends sa voix. Mais jamais une caméra, tu entends sa voix simplement. Et bien dans ton image, d'après sa voix, tu as déjà une image. Tu l'imagines cette personne. Et pourtant c'est une personne, ce n'est même pas un chien ni un animal. Hein, c'est une personne avec deux yeux, etc. Mais quand tu le rencontres en réel, ce n'est pas l'image que tu avais. Absolument rien. Vous pouvez faire test mille fois. Vous pouvez imaginer que cette personne, elle est grand comme ça, elle est gros comme ça, elle est comme ça, elle a la barbe comme ça, etc. Mais quand tu le rencontres en réel, tout ce que tu avais comme image de cette personne, absolument n'a rien à voir. Et pourtant, cet humain, tu le connais très bien. D'ailleurs, regardez combien d'humains ici. Est-ce que quelqu'un ressemble à quelqu'un? Et pourtant, on a la même chose. C'est pour ça que tu n'y arriverais même pas. Tu discutes avec pendant des mois, tu as déjà une image dans la tête de la personne, et quand tu le racontes, tu saisis, ce n'est pas la personne que tu imagines, physiquement. Alors il ne faut pas demander encore quelque chose que je n'ai jamais vu, absolument. Absolument, je n'ai jamais vu. Tu ne peux pas analyser, c'est comme celui-là, il te dit qu'il a ouvert les yeux, la première chose qu'il a vue, il a vu la tête d'une poule. Et après, il est devenu aveugle. Qu'est-ce qu'il a dans son cerveau, dans son répertoire, comme image? La tête de poule, une poule. Et alors, quand on dit, ça c'est la voiture, il est plus grand que la poule, plus petite.
Tout est étalé à les yeux autour de la poule. Tu lui parles de la porte, la poule. Tu lui parles de l'avion, la poule. Tu lui parles d'un chien, la poule. Pourquoi? Parce qu'il n'a que la poule dans la tête. Pour comparaître de quoi se tu parles, il te dit combien il est grand. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas imaginer, il n'a rien, il n'a que la tête où il y a la poule. Et alors, tout ce que tu vas lui donner comme nom, comme image, il doit l'analyser lui avec la poule. فعالم الغيب لا تستطيع عقولنا أن تحكم على شيء فيه بإثبات أو نفي استقلالا ذاتيا إلا أن يأتي خبر يشهد العقل بإمكان وجوده وبصدق ناقله. Alors notre cerveau ne peut pas ne parler de quelque chose qui est en dehors, qui n'a pas inscrit en dehors qu'on appelle de la nature, qui lui-même dire que cette chose elle est comme ça à 100%. Ou de dire que ça n'existe pas ou ça existe, c'est faux. Il ne peut pas nous dire que derrière le ciel, il n'y a rien. Il ne peut pas nous dire que derrière les ciels, il y a quelque chose, avec la tête simplement. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été là, tu n'as rien vu. Sauf s'il y a quelqu'un qui nous rapporte, qui nous dit comment elle est cette chose-là. Et que notre cerveau, notre raison, accepte ce que nous dit la personne. Une. Deuxième, que la personne, il est sadir. Véridique. C'est la seule chose qu'on a. Autrement, on n'y arriverait pas à donner nous-mêmes, comme ça, rien qu'avec la raison, de donner l'image ou d'expliquer quelque chose. Wa inda dhalika. تسلم بمضمونه تسليما تاما دون مناقشة أو اعتراف وحيث أن عالم الحس فينا محدود فالعقل فينا محدود أيضا من وجهين. Alors si les cinq sens sont limités, notre cerveau, notre raison, elle est limitée de deux parts, de deux côtés. الوجه الأول محدود بين شيئين هما زمان ومكان. Notre cerveau est limité entre deux choses, premièrement, et ces deux choses, c'est le temps et le lieu. Le temps et le lieu. لذلك يسأل العقل دائما متى وأين. C'est pour ça qu'on trouve toujours le cerveau qui se pose cette question. متى, quand, وأين, où. Il n'y aura jamais de réponse. Absolument. Il est mahdoud dans ça. ذلك لأن جميع الأشياء التي اتصل بها حسنا لا بد أن توجد في مكان وأن يجري عليها الزمان ولا يستطيع العقل أن يتصور أو يتخيل موجودات لا أمكن لها أو أشياء لا يجري عليها زمان. Notre cerveau ne peut pas imaginer des choses qui ne sont pas dans un lieu. Notre cerveau, s'il imagine une chose, c'est qu'il est dans un lieu. Et s'il imagine cette chose-là qu'il est dans un lieu, il imagine aussi que le temps court sur cette chose-là. C'est tout ce qu'il comprend. علما بأن من الأصول المقررة عند جميع العقلاء الواعين المنصفين أن ذات الله تعالى لا يجري عليها زمان وليست بحاجة إلى مكان لأن الله هو خالق الزمان والمكان. Notre cerveau, lui, dans cette question qu'on a dit, il est limité entre deux choses ici ou deux questions, où et quand. Le temps et le lieu. Le makan ou le zaman. Et notre cerveau est limité de comprendre simplement si une chose existe, c'est qu'il a un lieu. Mais il est comment le lieu? Il ne le sait pas tant qu'il ne l'a pas reçu avec les cinq sens. Et il sait que toute chose existe, qu'il est dans un lieu, qu'il a un début, il a une fin. On va voir après, quand on va arriver à l'atome.
la petite atome qui a laissé les savants jusqu'à présent rien comprendre. L'atome. Et l'atome, on ne la voit pas avec l'œil, un œil comme ça. Il faut des appareils spécifiques pour voir l'atome. Et cet atome qui est mini, et encore elle est divisible. Donc coupée, des petites, petites. À chaque fois que tu dis l'atome, il est arrivé à la fin, c'est faux. Et cet atome, c'est un grand tout. On va voir après avec les bactéries. On va voir la création de la bactérie cerveau. Alors ici, on comprend à ce moment-là que le cerveau comprend qu'une chose existe, il a un lieu. Et si cette chose-là existe, il a une fin, le temps. Il a un temps aussi. Mais le Créateur, il n'a pas de temps. Il n'a pas de lieu. Et c'est là le cerveau, il bloque. Et c'est là le cerveau, il bloque. Il comprend, lui, chaque chose, il a un lieu. Et cette chose-là, un début et un fin. Il le comprend de ce qu'il voit, à ce qu'il analyse. La personne, il vit, il meurt. L'arbre, il vit, il meurt. Le vent passe, il passe, etc., etc., etc. Après, on va voir avec les gens qui vont comprendre que l'univers, il va finir. On va voir avec les grands savants qui nous disent que le ciel va finir. Ils nous disent que le ciel a un début, qu'on appelle le bimbo. Et qu'il va finir. Il est en train de se propager, de grandir, de grandir, de grandir, de grandir, de grandir. Il va faire boum. Il va s'éteindre. Plus du ciel. Mais le cerveau, quand lui comprend ces deux mots-là, qui se pose la question, quand ça a commencé ce bimbom, il lui fait un calcul. Pourquoi? Parce qu'il existe. Il a un temps. Mais quand elle arrive à celui qui a créé ce temps et ce lieu, Allah n'a pas de temps. Il n'a pas de lieu. Pourquoi? On va voir que cette force-là qu'on appelle Allah, Dieu, c'est lui qui a créé le temps, c'est lui qui a créé le lieu. Et c'est le cerveau. Il va s'arrêter. Il ne peut pas aller plus loin. Et c'est pour ça, à ce moment-là, ils disent, ouais, ouais, je t'aime. Et l'autre chose, la limite de notre raison, mahdoud hina ma yu'lin ajou an it taslim bi wahid min ihtimalayn fil kawn, la thalitha lahu. Fa mathalan yatasa'al kullu insan aqil baynahu wa bayna nafsi, hal hadha al kawn mutanahi al hudud aw ghayra mutanahi al hudud. Notre cerveau, il est limité entre deux réponses. Il peut te donner une réponse, deux choses, mais pas le troisième. La première, il te dit, est-ce que cet univers a une limite? Oui ou non? Il n'y a pas trois. Il a une limite ou il n'a pas de limite à cet univers. Et là, le cerveau, il va se bloquer encore une fois. فإذا قال لنفسه انتهى الكون قال له وهمه وماذا بعد نهايته si l'univers a une limite, si jamais sa raison lui dit oui, il a une limite, alors sa pensée lui dit qu'est-ce qu'il y a après la limite. Qu'est-ce qu'il y a après la limite? Et là, le cerveau ne peut pas répondre. Il peut prolonger pour l'univers de quelques kilomètres. Mais il va finir à la fin. Mais après, qu'est-ce qu'il y a? Prolonge-le de quelques milliers de kilomètres. Lumière de kilomètres. Mais après, qu'est-ce qu'il y a? Prolonge autant que tu veux. Vous resterez là pendant des milliards d'années à prolonger. Mais mon pensée me dit, qu'est-ce qu'il y a après? Car mon cerveau, il dit qu'il doit avoir une limite, il doit avoir une fin à l'univers. Et là, le cerveau, comme on a dit, elle est limitée. Ou alors, وإذا قال لنفسه الكون لا نهاية له قال في نفسه كيف يكون شيء لا نهاية له
Et si jamais il dit l'univers n'a pas de fin, alors sa pensée lui dirait, comment on lit une chose qui n'a pas de fin? Comment il lit? Il n'a pas de fin. Imagine-toi, il n'a pas de fin. Le cerveau, il est petit. Il ne sait pas voir un troisième. Oui, l'univers a une fin. Oui, il a une fin. Qu'est-ce qu'il y a après là? L'univers n'a pas de fin. Comment il est cette chose-là qui n'a pas de fin? Pas de réponse. Alors, on comprend à ce moment-là que notre cerveau, notre raison, il est limité. On ne va pas demander, on parle ici du ciel. Mais on ne va pas discuter le premier ciel, le 16e ciel, le 7e ciel, parce que ça, il faut un argument. Et là, nous autres, on dit, on ne parle pas donc de délit, Coran, on parle que du premier ciel. Donc, la raison simple. ثم بعد ذلك لا بد أن يصل العقل أخيرا إلى نقطة يظل فيها حيران عاجز عن التفكير لا يستطيع أن يقتنع بلا النهاية ولا يستطيع أن يسلم بالنهاية وما ذلك إلا أن العقل محدود. Alors le cerveau il est coincé ici. Il ne peut pas comprendre, il ne peut pas trouver une réponse de lui-même. Qu'est-ce qu'il y a après? La métaphysique. Et s'il dit le contraire, la métaphysique n'a pas de fin, son cerveau ne peut pas lui donner une réponse. Il est comment cette chose sans fin? فكيف بعد ذلك؟ فإذا كان العقل عاجزا على الإحاطة الحقيقة بالكون من حوله فهو عن إدراك صورة الحقيقة الأمور الغيبية التي هي وراء المادة أضعف وأعجز. Si le cerveau, la raison n'arrive pas à donner une réponse à la chose physique qu'il voit lui-même, qu'il peut même toucher, qui n'arrive pas à lui donner une réponse de cette fin ou pas la fin, alors il ne faut pas demander de te donner une réponse à ce qui est après la métaphysique, après sa nature. فكيف بعد ذلك يستطيع هذا العقل المحدود أن يحيط بالله سبحانه؟ Alors comment il peut encore, ce moment-là, ce cerveau de donner la grandeur d'Allah pour le lieu d'Allah? Impossible. À ce moment-là, on arrive ici, que nous sommes limités. حواسنا التي هي طرق العلم لدينا محدودة. Nos cinq sens qui nous ramènent cette connaissance, cette raison, cet savoir, ce pouvoir, il est limité. لا تتناول كل شيء موجود. Il ne peut même pas te donner l'explication à toute chose qui existe. ثانيا أن قدرة التخيل فينا محدودة في حدود ما يردنا عن طريق الحواس ما يريدنا. Notre capacité de comprendre, de raisonner, elle est limitée de ce que nous rapportent les cinq sens. Troisième. أن عقولنا محدودة لا تستطيع أن تدرك جميع الحقائق الكائنة إدراكا واضحا إذا اضطرت إلى التسليم بها عقلا. Alors, notre cerveau, même s'il a compris les choses, ou qu'il sait la chose qui existe devant soi-même, ne peut pas donner, ce cerveau, la réponse à comment son fonctionnement, ou comment il réagit à cette chose-là. Alors, on voit bien ici que notre cerveau, notre raison, il est limité. Et c'est de là qu'on va parler, le dars qui vient, la preuve qu'Allah existe. Avec science, pas de hadith, pas de Coran. On va parler avec le cerveau des athées, de ceux-là qui ne croient pas, simplement avec ce que eux comprennent. Ni hadith, ni Coran. Alors le dars qui suit, on va voir al-shawahid al-aqliya ala wujudillah. Alors on va voir les arguments fondamentaux
qu'Allah existe. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.